gros, ce qui se passe, c'est que nous, hier, on a fait l'interview. Donc du coup, là, c'est filmer un petit peu sa cuisine, filmer ça. Et la vidéo a duré entre 3 et 5 minutes max. Voilà, donc l'idée, c'est de faire un truc un peu épique avec ces passages-là et avec lui qui parle. C'est bon pour moi, on passe à la suite. Macro légumes. Essayez de chercher un peu les poivrons, là. En fait, il a besoin de lumière, là. Ouais, voilà, exactement, exactement. Ah, c'est nickel. Ok. Donc soit je le mets en haut, soit je le mets sur le côté. Ouais, et en fait tu vas venir et la caméra fera un slide en reculant à la même vitesse. À la même vitesse que ça, donc tu vas voir le truc qui va sortir en temps réel. C'est ça, ouais. Ça va être ultra compliqué à faire. Ouais, je pense bien, ouais. C'est quoi? Si jamais t'as le temps pour cet après-midi, ce que tu fais pas bien, ouais, c'est que t'installes dessous le support Tilta. Il va pas prendre le courant. Ah ouais? Ah ouais, bon, là il galère de ouf. Ah ok, d'accord. Ah si, c'est le 35 mm qui est pas mal le... Non, bah le macro qui est dingue. Ah ouais, il suce. Hein. On passe épluchage de légumes. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reculer la table par là-bas. Il va se mettre juste là. Ouais. Ok. Ta caméra va être là et lui, il va faire son mouvement comme ça. Tu vois la vitesse du truc? Il faut que je le prenne à la main. Sauf évalonquement. Oui, tu cales ta main. Je cale ma vitesse. Je me montre 2-3 fois la vitesse où il va et moi, j'essaie de me caler à sa vitesse. Ok. Tu veux que je suis dans le sens. Voilà, et moi ce que j'ai envie, voilà, c'est ça. Tu fasses le truc. Vas-y, fais le mouvement pour voir. À la limite, ce qu'il faudrait, c'est qu'il mette la caméra là. Ouais, c'est ça, exactement. Je suis. Vas-y, fais la mise au point. Voilà. Donc, chercher un peu. Vas-y. Attends. Et là, comme ça. T'es pas fait pour la cuisine, Stéphane. Non mais j'essaie de trouver le... L'idée c'est pas de faire la cuisine, c'est fait l'inverse. Ouais, c'est ça, ouais. Part de là et fait comme ça. C'est chiant. C'est chiant, ouais. Non, non. Ah oui, d'accord, oui, je vois ce que tu veux dire. Tu mets de l'autre côté. Tu mets de l'autre côté, ouais. One again, Mr. Fly. Alors on est où? Ouais. L'idée, ouais, c'est d'être le plus dans l'axe possible, ouais. Fais la mise au point. Ouais. Ok. Avec mouvement, hein, c'est ça, hein. Oui, avec mouvement, ouais. Donc faut que je parte le plus loin. Est-ce que la position... Oui. Ça te va? Oui. Ok, donc je fais le focus là. T'arrives pas à aller dessus, c'est ça? Je crois que je n'arrive pas à aller dessus. Il faut rapprocher la carotte. Rapproche la carotte. Attends, j'ai un tout petit truc en bas à droite là, tu vois. Ouais. Ah oui, d'accord, sa main. Et... Action. Ouais, ça m'allait très bien là le début, c'est très bien. Action. Il y aura plus de carottes bientôt. C'est fait exprès, j'ai été à fond. Ok. C'est quoi le plan d'après? Des coupes. Des coupes, ouais. Des coupes, des poivrons, du coup. Toi, tu seras plutôt sur Seb, le visage de Seb, ok? Et toi, tu feras le plan un peu plus large de la macro, ok? D'accord. Du coup, je vais voir le couteau que tu vas avoir. Bah, c'est à vous de choisir ce que vous voulez, les gars. Ouais. Moi, j'avais dit, si j'ai un premier là. Ça, c'est des vrais couteaux. Ah là. Ouais. Katana. Ah le japonais. Maiwa, j'ai lu.
Celui-là, c'est un bon fou. Il a l'air bien tranché, ouais. Ouais, le japonais, mais surtout pour alors, le... Non, il est petit. fais le mouvement comme quand tu aiguises un cloche. Ça, c'est pas le bon exemple parce que c'est, ça s'aiguise pas, ce couteau-là. Ah, il s'aiguise. Ah, ok. Oui, parce qu'en fait, il est, tu vois, il est affûté que d'un côté. Ah, d'accord, ok. Bah, dans ce cas, un autre couteau alors. Ah non, si tu veux dégainer celui-là, y'a pas de soucis. On dégaine celui-là. Mais si tu veux des mouvements larges, prends la lame la plus large, la plus longue. Ok. Et ça va être comme ça. Là, c'est au ralenti, hein. Après, c'est. Ouais, le mieux, ce serait par là, effectivement, ouais. Histoire qu'on voit le couteau venir vers nous, ok. Tu préfères un autre couteau. Je préférerais celui-là, je trouve qu'il envoie de plus jolis reflets. Celui-là. Ouais. Comme, éclaire le fond d'herbe. Ah. Ouais, vas-y, recule, reviens vers nous. Par là-bas. Voilà. Nickel. Un peu plus comme ça, la lumière, plus vers le bas. Ouais, ok, nickel. Mets-la plus fort, au moins l'intensité. Et tourne-la plus vers la vue encore. Vers l'inox, pardon. Non, vers l'inox, derrière. Ah ouais. On est bien là. T'en penses quoi toi, Seb? Ouais, c'est cool. Ah, t'es trop... Ouais. Descends un peu. Il revient vers nous. Ouais, voilà. Parfait. Encore une dernière. Attention. Ouais, voilà. Ok. On va enlever ce qu'on n'a pas besoin. Là, c'est ma pro cam A, cam C. Ok. Donc le rig, c'est intéressant que je découpe avec quel couteau. Visuellement, je préfère celui-là. Ça. C'est lourd, cette connerie. Ah, tu veux le prendre genre vraiment. Ouais, voilà. Ouais, et il est le plus juste comme ça, tu vois, en termes de hauteur. Hein. Ça va? Ouais, ça va. Ça va. En fait, je pense que tu peux en descendre. L'idée là, c'est vraiment d'avoir. De vraiment voir le. Ouais. Tu peux refaire la manip. On va rapprocher encore le système là, comme ça. Ça, c'est un acteur investi. Ah, hey. Vas-y, tranche pour voir. Ouais, la carotte est dans le. Oh là là. Ouais, attends, il a vu. Ça rend bien? Ouais. Par contre, du coup, vous savez ce que vous avez mangé ce midi? Ouais. Oui. Je suis nickel, alors je suis propre là. Pareil. Bon, ça en est bien. Est-ce qu'on voit pas dans le reflet de la lame? Enfin, pas la light dans le. Si, si, la laisse là. Comme ouais, c'est bien. Là, c'est bon. Tourne caméra C. Cam A Rec. Action. Couper. Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais le couper en deux. Ouais. Dans la longueur. Okay. En essayant de faire tomber l'autre moitié ouverte vers haut. Mm-hmm. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que j'aurai deux morceaux à émincer. Parfait. Donc, très bien. Voilà. Donc on fait exactement le même axe, exactement la même chose pour. J'ai rien compris. Donc là, faut le voir. Mais c'est vrai, pareil, les carottes sont meilleures parce que c'est un chef qui a coupé. Non, mais c'est ça. Un jour, Seb est venu chez moi. Il a pas d'histoire, il ment. Pourquoi je lui dis de la pince, tu vois? Pourquoi? La pince. Pour te serrer la pince. Mais vu que j'étais pas chez moi, Là, je suis revenu un peu comme t'étais là, on peut venir à ça. Non, assis. Action. Ok, on a ce qu'il faut là. Hein. Ouais. Je m'appelle Sébastien Martin, restaurateur sur la Bretagne, à Sainte-Clotilde, depuis bientôt 7 ans. Je suis parti travailler un petit peu en métropole, dans des macarons Michelin, dans la maison Trois Gros. J'ai toujours été bercé dans la cuisine, à regarder les anciens cuisiner, et Papy Max, ouais, ça a été vraiment l'inspiration.